Yo tout le monde, c'est Sortex, j'espère que vous allez bien et encore une fois que votre journée est ensoleillée parce que voilà, mon côté c'est nuages. On voit qu'il y a du soleil parce que les nuages sont assez éclairés, mais voilà, hein, c'est pas le gros soleil. Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième épisode de comment ça s'appelle ? Les news de la techno, voilà. Bon, j'ai vu que la première épisode vous aviez pas trop regardé, il n'y a pas eu trop de vues. C'est normal, hein, quand il y a une nouvelle série, il n'y a pas trop rapport, parce que voilà, j'ai l'habitude de faire du GTA sur ma chaîne, puis quand ça arrive, ça a comme pas rapport, fait que vous êtes pas, vous cliquez pas trop, mais voilà, je vais l'envoyer à une chaîne communautaire, peut-être pas cet épisode-là, peut-être un autre, je verrai. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc on commence tout de suite avec l'accessoire de la semaine. Donc la semaine passée c'était un accessoire pour la PS3, le Twisted Dot. Maintenant c'est pour la Xbox 360. Il se fait sur la PS3 aussi, mais j'ai préféré vous le montrer sur Xbox. Donc l'accessoire se nomme Avenger Elite Controller Adapter. C'est pour la manette d'Xbox. Et donc, c'est vraiment pour les gamers. Si vous venez de commencer sur Xbox, achetez-vous pas ça tout de suite. C'est pour un peu, comment dire, faciliter les touches, faciliter... Bon, d'un autre côté, c'est pas vraiment pour faciliter. C'est vraiment pour les... Admettons, ceux qui font du Quickscope sur Call of, ça pourrait être une bonne manette pour voilà, faire des tricks et tout. Exemple, changer d'arme, lancer une grenade, attaque, tir. Ça peut quand même aider parce que tu fais juste, à face de déplacer ton pouce pour cliquer sur Y, ben tu fais juste lever ton index, appuyer sur Y. Vraiment, c'est quand même assez cool. Puis c'est, voilà, c'est quand même pas cher si vous voyez d'un côté, mais je trouve que ça n'a pas une grande utilité. Donc, c'est 40$, donc moi, vraiment, je trouve que c'est un petit peu trop cher. Mais pour ceux qui trouvent que, voilà, ça a une grande utilité, ça peut être pas cher. Donc voilà pour l'accessoire de la semaine. Donc maintenant on est pour le jeu de la semaine. La semaine passée c'était un DLC sur GTA 5, et maintenant c'est vraiment un jeu. C'est un peu bizarre par contre, parce que bon, il sort sur PC en premier. J'ai même pas dit le nom, c'est Tropico 5. Voilà, il y en a eu plusieurs de Tropico. J'en ai pas vraiment joué, ben, j'ai jamais joué en fait, mais je connais un peu ça. C'est tu crées ta sorte de ville sur un île, en tout cas bref. Ça a l'air quand même assez cool, voilà. Comme SimCity, si on peut dire, mais voilà, je trouve que c'est plus... plus mieux, mais voilà, j'ai pas essayé encore, donc je peux pas dire comment c'est. Mais voilà, comme je vous expliquais, il sort le 23 mai, donc jeudi, sur PC. Cet été, il va sortir sur Xbox 360 et Mac, la plateforme Mac, voilà, de Apple. Et en automne, sur PS4. Xbox One, PS3... On n'entend pas parler. C'est assez what the fuck. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, tu sais, ils font sur Xbox 300, mais pas sur Xbox One. Ils font sur PS4, mais pas sur PS3. What the fuck. Il n'y a pas de logique. Mais bon, hein, on peut pas dire que... Voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un manque d'argent quelque part. Mais voilà, hein, pour ceux qui connaissent déjà ce jeu, il y a eu le 4, le 3, le 2, le 1. Voilà, un jeu où tu crées ta ville, tu te fais de l'argent, voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais ça m'a l'air d'être quand même un assez bon jeu, voilà. Maintenant, on se retrouve pour le top 5, qui la semaine passée, je sais pas si vous l'avez mis, mais bref, je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment trouvé ça bien, je sais pas, montrer des manettes, c'est voilà, c'est pas... Voilà, il n'y a pas grand monde qui je pense, ont aimé. Mais bon, cette semaine, c'est encore des photos parce que j'ai pas d'autre choix à faire. J'ai pas d'autres options. Mais quand même, ça va pouvoir quand même impressionner des gens parce que moi, ça m'impressionne grandement. Donc, cette semaine, c'est un top 5 sur les plus belles chambres et bureaux de gamers.
Donc voilà, vous allez vous trouver une image que j'ai prise, c'est la chambre à Monsieur Levé 12, parce que j'ai vu une de ses vidéos qui montrait sa chambre, et puis je trouvais vraiment ça très beau. Donc voilà. Pour la cinquième place, on retrouve une chambre, ben un bureau plutôt, parce que voilà, on voit pas la chambre en entier. Un bureau à deux écrans avec un PC de gamer, on voit qu'il y a beaucoup de jeux. Après ça, le mur de rempli de posters, voilà, c'est correct. On voit qu'il y a une PS3 et une Xbox. Puis une télé, voilà, ça fait bureau, gamer, et puis c'est quand même cool. En quatrième place, on retrouve un autre bureau qui, ben là, vraiment, ça commence à avoir de l'allure. On voit, on peut pas trop bien voir, mais une belle chaise de gamer. Après ça, une manette pour les jeux d'avion. Deux manettes, une pour contrôler, si on peut dire, puis l'autre, c'est pour l'accélération. Bref, trois écrans. On voit pas l'ordi, par contre, mais c'est pas grave, il doit être en dessous. Et c'est quand même un très beau bureau. En troisième place, on retrouve ben maintenant la chambre à Monsieur le V12. Donc, on voit pas en entier, mais dans ce coin-là, il y a la partie bureau, où je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Après ça, il y a la Xbox 360, la Xbox One, la PS4, la PS3, puis il y a 4 télés différentes. En tout cas, il y a vraiment plein de trucs. Je sais pas pourquoi ça va sauter un jour, mais bon, ça a l'air quand même très joli. Et à l'autre bout, dans une de ces vidéos, on voit un autre PC. C'est un portable, celui-là, je crois. Mais voilà. En deuxième position, on retrouve un bureau de Razer. Ben je sais pas si c'est un bureau que de Razer à eux, mais on s'attend, hein, c'est pas mal tout Razer. Fond d'écran de Razer, clavier, souris. Il y a une télé comme une manette, je sais pas à quoi ça sert. Ça a de la base, c'est une souris, mais avec des touches. En tout cas, bref, voilà, des cases Razer. Tout est Razer. Vraiment, quand je suis tombé dessus, là, je l'ai posté sur Facebook, puis c'est vraiment un très beau bureau. Et maintenant, en première position, on retrouve vraiment là. J'ai tombé sur cette photo-là, puis j'étais comme what? Ça a plus l'air, si on voit à droite, ça a plus l'air genre côté concours, là, quand t'es avec tes amis, tu joues, là, chacun leur écran. Ça a l'air de ça. Plus là-bas, on voit l'arcade. Après ça, télé, bref. C'est vraiment ça, c'est une chambre, même je dirais une pièce dans la maison, parce que j'appelle pas ça une chambre, mais vraiment je vais pas dire comme l'autre fois je suis tombée amoureuse, oh my god, non c'est pas, voilà, on va s'abstenir. Non mais c'est ça, c'est une très belle pièce remplie, on peut pas dire qu'elle est vide. Et puis voilà, c'est fini pour ce top 5. Pour finir, on va faire la partie tuto. La minute tuto. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto très simple que j'ai jamais vu sur YouTube. Peut-être qu'elle existe, mais j'ai cherché. Quand je débutais sur Camtasia Studio 8, parce que oui, c'est un tuto sur Camtasia Studio 8. Donc je sais pas si ça fait la même chose sur le 7, mais bon, on va essayer. On va pas essayer, mais vous essayerez au pire. Donc, premièrement, vous importez votre média. Moi, pour ma part, ça va être... c'est pas mon... tiens, je vais mettre mon intro. Voilà. Bon, peut-être pas ça, parce que déjà là, il y a déjà un dégradé. Mais bon, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Qu'est-ce qu'on veut que ça fasse. On va juste enlever le son. Silence. Voilà. C'est que à la fin, voilà, ça va terminer comme ça, hein, bref. Je sais pas comment le dire, mais en dégradé, voilà. Donc, pour ce faire, on va juste... quelle chose pourrait... écoutez, on pourrait prendre mon intro. Toc, toc. On va juste couper, toc, ici. Voilà. Fait que là, on a mon intro. On va toujours enlever la musique. Voilà, qui va finir demain. Ça peut être correct, il y en a qui mettent des intros comme ça, mais c'est juste que des fois, avec la musique, ça fait comme
Ça coupe comme ça, direct. Bref, c'était la partie explication. Donc, c'est vraiment simple. Vous devez ici prendre, toujours sélectionner Fade. Je sais pas, il est où. Attendez, je vais le trouver. Ici, voilà. Vous devez toujours prendre ça. Vous pouvez glisser comme ça. Ça peut être simple. Voilà, ça va faire la même chose. Vous pouvez l'étirer si vous voulez que ça soit plus long. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Bon, on s'entend, ça fait un petit peu lettre, mais bon. Toc. Voilà. Mais quand il est déjà sélectionné, vous pouvez tout simplement appuyer sur T. Voilà, ça va le faire tout simplement. Vous devez sélectionner la vidéo par contre, mais voilà. Sinon, vous avez toutes les transitions. S'il n'était pas ici, il est dans More, puis vous allez le trouver ici. Donc voilà, c'était la minute tuto. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième épisode. Donc la troisième, ça risque d'être celle qui va être publiée sur plusieurs chaînes communautaires. Et donc, ne vous étonnez pas si y a deux intros, deux intros avec quatre intros dedans, bizarre. En tout cas, bref, voilà, vous allez voir ça peut-être la semaine prochaine. Et donc, voilà, je voulais juste vous dire que croyez pas que faire un montage comme ça, c'est facile. Je viens juste de le finir, je vous jure que j'ai surtout pas ragé. Surtout pas. Non, voilà, c'est vraiment dur. Voilà, donc, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à vous abonner. Je vois qu'on est 600. Yes, merci beaucoup. À vous abonner. Quoi d'autre? Laissez un commentaire. Allez sur ma page Facebook, etc., Twitter. Voilà, tout dans la description. Le site, je vais pas commencer, je voulais juste vous dire que peut-être ça allait venir. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!